Bonjour à tous, Gilles, agriculteur dans le Loiret. Là, je suis en train de préparer mes terres pour pouvoir accueillir mes oignons, donc les oignons porte-graines. Vous avez pu voir le battage là il y a 15 jours. Les nouveaux bulbes sont déjà arrivés pour la prochaine campagne. Donc là, je suis en train de passer la rotative. Juste avant, j'ai passé un outil avec des dents et des disques juste derrière, un CLC, pour pouvoir essayer de refaire de la terre fine, recasser un petit peu et retravailler la terre. Deuxième temps, je suis en train de passer la rotative pour pouvoir affiner, faire de la terre fine pour pouvoir après bien disposer les oignons et pouvoir les buter avec de la terre fine. Une fois que la terre était préparée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'ensemble des big bags d'oignons qu'on a remis dans des bennes élévatrices, pour pouvoir justement charger la planteuse dans le champ. Ensuite, la dernière étape, c'est la plantation des oignons. Alors, elle se fait en deux étapes. La première étape, on plante les oignons femelles. Donc, on fait 12 rangs de femelles. Et après, on plantera un rang de mâles après chaque 12 rangs de femelles. On est obligé de le faire en deux étapes. Donc, la première étape, on fait l'ensemble des femelles. La deuxième étape, on fait l'ensemble des mâles. Je suis en train de planter l'année dernière les dernières planteuses de mâles. Donc merci à tous de me suivre, de partager mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, ça vous permet d'avoir toutes les vidéos. Je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement, même tous les 15 jours, c'est mon objectif. Je ne garantis pas que j'arrive à le tenir, mais je vais essayer. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous surtout à ma chaîne. À bientôt.